Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Paige dans Paper Trail. On était dans l'océan avec son lot de casse-tête et de complications. On y retourne! Et du coup, comme je le disais, on est dans l'océan. On a un petit origami caché ici. On a une petite statue qui est derrière une porte. Une autre statue ici. On va pouvoir... On va peut-être pouvoir... Ah non. Une fois qu'on a bougé la plateforme, on peut pas l'emmener. Il faut que j'aille activer ça. C'est la priorité. J'ai cette statue-là qui me gêne. Ici, je peux aller là, mais je pourrais pas sauter. Ah, il y a un 1. Il y a un autre 1 ici. Ok, donc ça veut dire qu'on pourra utiliser ce 1. Pour bouger. Et pour l'instant, je vois pas trop comment on va pouvoir accéder à ça. Bah si! Si, c'est exactement la même connerie que dans l'épisode d'avant. C'est-à-dire que, bien évidemment, je n'ai aucun souci pour passer la plateforme. Aucun. Voilà. Donc, sauf si tu te mets devant, cocotte. Merci. Alors, il faut que je pousse un petit peu cette statue. Ok. Jusque-là. Sauf que je peux pas la pousser assez. Je ne peux point la pousser assez. Puisque je n'ai pas... Ce qu'il faut. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Est-ce que je vais pouvoir emmener la statue de l'autre côté, par exemple? En imaginant, par exemple, que je fasse ça. Donc ça, c'était nul. C'était nul. Ça n'avait aucun intérêt. Ça en aura peut-être un, mais ça en a pas. Si je fais ça, je peux pas emmener ma statue. Il faut que je puisse la pousser de 1 de plus. Et malheureusement, pour la pousser de 1 de plus, ben il faut que j'ai quelque chose sur laquelle la pousser de 1 de plus. Ou alors. Je vais pas pouvoir la tirer là. Je vais pas pouvoir la tirer. Pas directement. J'ai rien qui vient bord à bord. Parce que ça aurait pu être une idée de se dire on la tire, on la met là. Comme ça nous allume ici. Ce qui nous arrange. D'ailleurs, c'est un escalier, je peux descendre. Oui, c'est un escalier, je peux descendre. Ok, moi je peux descendre. C'est déjà une bonne nouvelle en fait. Moi je peux descendre. Nous on peut descendre. Si, ça veut dire que vu que je peux descendre, je peux tout à fait la pousser en fait. Oui, c'est pourquoi tu veux pas que je la pousse? Je... Hop, et il y a ce caillou-là qui nous gêne.
Sauf que du coup, en haut, y a rien. Ça paraissait prometteur, mais ça l'est pas assez. Et si je plie, si je plie, si je plie, si je plie, je vais pas pouvoir faire de choses intéressantes. Après, rien ne m'empêche d'enlever le caillou comme ça. Voilà. Donc j'ai activé un truc. Merveilleux. Maintenant, j'aimerais activer l'autre. L'autre. Que je vais pas pouvoir activer comme ça. Il me faut l'autre statue en fait là. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve un moyen de récupérer ma statue. Ma clé. Ma clé, pas ma statue, ma clé. Ma clé. Ai-je un moyen simple et efficace de descendre jusqu'ici? Si j'emmène Pedge là. Oui, si j'emmène Pedge là, elle peut descendre et choper la clé. Voilà. Merci Pedge. Donc on ouvre et on récupère cette statue. Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter à faire le mouvement plusieurs fois parce que ce qui pouvait ne pas être possible à un moment peut l'être à un autre. Hop, on a dit on vire le caillou. Non, on s'en fout du caillou pour celui-là. Oui, on s'en fout du caillou parce que le caillou, on le fait disparaître. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire traverser Pedge. Je dirais que la manière la plus simple, c'est qu'elle récupère la plateforme. Casse-toi de ma plateforme, statue. D'accord, mais t'oublierais pas ton petit origami? Ah bah si, j'oublie mon origami, bien sûr. Bien sûr, j'oublie mon origami. Ce qui veut dire que je vais peut-être quand même laisser la statue sur la plateforme pour pouvoir la virer et que comment je m'en débrouille. Faudrait que je puisse monter d'un de plus. Est-ce que moi je peux traverser d'une manière ou d'une autre? Sans doute. Sans doute, sans doute. Bah en fait, si, on s'y fait, si, on va faire ça, on va reprendre la statue pour pouvoir prendre la plateforme. Hop. Récupérer cette plateforme-ci. Voilà. Pour pouvoir mettre ça. Non, mais passe sur la plateforme. Fais bouger la plateforme. Ensuite, on fait ça. Voilà, comme ça, Pedge peut bouger. Visiblement pas suffisamment bien. Oui, je vais pouvoir, je vais pouvoir. Il faut que je mettre un cran en dessous. Donc pour pouvoir mettre un cran en dessous, l'idéal c'est en fait c'est qu'elle soit de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et du coup, on récupère cet origami. Le requin! Depuis la sortie du film, il est un peu sur ses dents. Amer. On
continue. Ok, on a de nouveau des portes avec des symboles, ça faisait longtemps. Ok, donc une plateforme qui monte et qui descend ici. Qu'on va pouvoir prendre comme ça, venir ici. Ici j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Je n'en sais rien. Je la pousse. Je la pousse, je la pousse. Voilà, je la pousse. Pour prendre la maison avec l'autre maison. Mais du coup, j'ai pas pris l'interrupteur. Est-ce que je peux descendre? Oui, j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça. Donc, je recommence. Je prends cette maison. Je m'en vais. Je redescends. Je prends la plateforme. Je la dépose. Je bouge. J'allume l'interrupteur. Et il faut que je remonte pour bouger la statue. D'ailleurs, il est où le truc qu'il faut que j'active? Est-ce que je le vois pas? Le statut que je veux. Je peux pas la monter. Ok, je peux pas la monter. Parce que non. Ah oui, il est là. Oui, j'avais pas déplié ici. Oui, forcément. Donc non, en fait, elle était très bien. Elle est très bien, sauf qu'en fait, du coup, il faut que je sois de ce côté-là. Avec ses formes carrées, mais pas trop, j'en oublie ce que j'ai plié et déplié. Et donc, en fait, il faut qu'on la mette là. Statue. Comme ça. Bingo. Parfait. Oui, on est presque dans ce bon vieux village. Il est un jet de pierre à peine. Attends, tu entends une voix toi aussi? Oh, pauvre de moi, un jour de plus à surveiller la mer. Un autre jour sans même un message dans une bouteille. Oh, quand la mer te rendra-t-elle à moi, mon amour? Ok. Tu as entendu cette magnifique voix? Une sirène peut-être, ou alors... Est-ce que ça pourrait être? Bah ouais, à mon avis, mon gars, hein, c'est ta femme et... Et tu l'as un peu oublié, mais... Ça ne regarde que toi. Bien évidemment, ici, je ne peux aller que du côté où il n'y a pas l'origami, sinon ce serait trop facile. Ici, on peut bouger ces plateformes-là comme ça. Ok. Va falloir que je monte. Clairement, va falloir que je monte. Est-ce que il y a quelque chose qui peut m'aider à monter? Les plateformes ici sont entre guillemets coincées. Ah, par contre, ici, voilà. Monter là, peut-être monter d'une autre manière. Voilà, monter comme ça. Parfait. Du coup, la statue, on la boue. Sauf qu'en fait, ben ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Que ça aille par là et que ça aille par là.
Et je peux pas plier. Plus. Est-ce que je peux la faire. Oui, je peux la faire coulisser jusque-là. Si j'utilise ça, c'est nul. Par contre, ça, c'est moins nul. Ça, c'est beaucoup moins nul. On est coincé ici. Et à quoi vont me servir ces plateformes que je peux bouger que 3 mm? Parce que si je la bouge comme ça m'avance à rien. En plus, je me suis coincé avec ma. Si je la bouge là, ça m'avance à rien non plus. Il faudrait que ça soit pas là, en fait, si je voulais pouvoir avancer. Sauf que pour pouvoir avancer, bah. Avec ce genre de choses. Ouais, mais sauf que du coup, une fois que j'ai plié. Je suis quand même coincée. Puisque je peux pas déplier. Je peux pas plier. J'ai pas dû finir de déplier, c'est ça, c'est ça. Hop. Concentrons-nous. Concentrons-nous, concentrons-nous. On veut que la lumière arrive d'un côté et de l'autre. Ici, du coup, j'ai bougé ça comme ça. Je peux bien évidemment pas faire descendre ma statue, sinon ce serait trop facile, hein. Ça serait tellement évident, tellement cool de pouvoir utiliser ma statue. Je peux pas redescendre comme ça, je peux pas redescendre comme ça, je peux pas redescendre comme ça. C'est un peu énervant. Faut que je repasse par là. J'ai dépassé. Alors pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Je vais retrouver. Là, ça me permet de monter. C'est pas ce que je veux. C'était pas ça. Qu'est-ce qui m'a permis de monter? Qu'est-ce qui m'a permis de traverser ici? Ici j'ai ça, clairement, et ici. J'ai replié. Bah non, je peux pas replier. J'ai replié dans l'autre sens. Peut-être, mais là la statue me casse les cacahuètes. Page. Non, ça peut pas être ça. Comme ça. Comme ça. Oui, c'était comme ça, sauf que la statue me casse toujours les cacahuètes. Serais-je coincé? Je n'y crois pas. De bien y avoir un moyen. Je peux pas la monter, hein. Non, je peux pas la monter. Ici, je suis coincé. Alors peut-être que. Peut-être que c'est la statue qu'il faut que je mette sur. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Il faut que j'aille de l'autre côté.
Il faut que j'aille de l'autre côté. Ici, je peux pas vraiment aller de l'autre côté. Est-ce que si je le déplie un peu plus, un peu moins, je peux pas passer là. Non, on est d'accord, je peux pas passer là. Oh. Je veux passer. Ça paraissait prometteur, mais le caillou m'empêche de passer. Est-ce que j'ai moyen d'allumer celui-là plutôt? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et là, je suis un petit peu coincée. Comment je redescends? Comment ai-je fait pour grimper? J'avais pas la statue. Oui, j'avais pas la statue, je sais, mais... J'y tiens, ma statue. Je l'ai coincé là. C'est plutôt l'inverse. Il faudrait que je la descende le plus possible. Ah oui, mais ça me bloque. Parce que si je la descends encore... Je peux pas redescendre ça. Je peux le faire disparaître comme ça. Sauf que ça change rien. Ça change rien, mais je peux peut-être quand même avancer d'une manière ou d'une autre qui m'arrangerait. J'ai pas l'impression. Je n'ai point l'impression. Ce qui fait que ma page est un peu coincée. Du coup. Il faudrait faire ça de manière logique. Il faudrait que cette là soit de l'autre côté. Et j'en suis toujours à du coup comment je retourne de l'autre côté pour être de l'autre côté. Je vais recommencer le niveau. Donc, on entend la voix. J'étais passé comme ça. Le problème, c'est que, une fois que j'ai mis la statue sur la plateforme, je peux plus replier.
Ici, ça me permet pas. Ça me permet pas de monter. Alors, est-ce que de la même manière que pour ici, je verrais une solution. Qui me permettrait de faire descendre cette plateforme. J'ai pas l'impression. Si j'arrive là, on va pouvoir faire ça. Si j'arrive ici. Si j'arrive ici, je vais pouvoir redescendre comme ça. Ok. Ce qui est intéressant. Du coup, je viens là. Mais j'ai juste un problème. Je vais pas pouvoir repartir de la même manière. C'est exactement ce qu'on a vu il y a 10 minutes. Et ici, j'ai vraiment rien qui me permettrait. Il faut vraiment que je trouve un moyen de passer en fait ça, de passer les plateformes de l'autre côté. Alors, ça paraît être ça la solution, sauf que quand je les bouge, ben je peux plus. Je peux plus, elles sont coincées, je peux pas. Je peux faire ça, mais ça m'arrange à rien parce que je reviens au même état. Je peux faire ça. Mais ça m'arrange à rien. Bon, on a vu qu'il fallait bouger cette statue. Je vais la bouger suffisamment pour qu'elle ne m'embête pas et suffisamment peu. Bah non, en fait, une fois que je l'ai mise sur cette plateforme-là, elle me gêne quand même. Elle me gêne pour redescendre. Et elle me gêne bien pour redescendre, hein. Pas qu'un peu. Comment on va pouvoir gérer ça? On a vu que ça, c'était la chose qui paraissait intelligente. Ça va peut-être me débloquer quelque chose, mais pour ça, il me faudrait cette statue-là ailleurs. J'ai pas vu de maison là. Non, il n'y a pas de maison. Et la seule chose qui peut me permettre de me déplacer. C'est ça. Alors effectivement, je pense que c'est trop tôt pour mettre celle-là, en fait. La statue, je vais la repousser tant qu'elle m'embête. Peut-être même la tirer un petit coup. Mais je vois pas. Même si j'arrive là, en fait, je peux pas arriver là-dessus. Ce qui serait la chose simple.
qui nous arrangerait. Parce qu'ici, c'est juste un caillou et on peut pas marcher dessus. Si je repousse encore un petit peu la statue. Pour pouvoir faire des choses. Bah, je me retrouve un peu dans le même état que tout à l'heure, c'est-à-dire, bah... Je peux pas vraiment... passer ça... Parce que j'ai toujours ce... cette limite là qui me gêne, mais c'était pas une si mauvaise idée, ça je suis en train de me dire. Peut-être que on peut plier suffisamment. Comment je pourrais plier suffisamment en étant ici? Genre je remonte. Ouais, mais si je remonte, je peux pas passer cette barrière. Et je suis coincé. Et je suis coincé. Réfléchissons. Il faut arriver de ce côté-là. Je déplie ici. La seule chose que j'ai en transparence, c'est ici et là. C'est-à-dire que j'ai que deux endroits possibles pour avancer ou reculer ou... selon ce qu'on a l'impression que ce soit ce qui me fout. Ouais, mais une fois que j'ai bougé ça, je peux pas la rebouger. Parce que on aurait peut-être pu se servir de ça pour avancer dans un sens ou peut-être dans l'autre. Comment je vais à cette statue de l'autre côté? Sérieusement. Bah peut-être que tout simplement je suis pas bon avec celle-ci. Ça me paraissait ultra prometteur, le fait de la poser sur la plateforme. Hop. De plier ici. Ah oui, attends, cocotte. Si je plie. Tu peux plus aller là. Mais peut-être que du coup, ma priorité, ça serait plutôt celui-ci. Celui-ci. Elle là. J'ai ça. Avec ça. Avec ça. Et peut-être que du coup... on s'en fout de la statue. Voilà. C'était ça. Première étape, on s'en bat les cacahuètes de la statue. On arrive là. Alors, pour arriver ici, il va nous falloir un escalier qu'on n'a pas. Comment je vais pouvoir arriver ici? Alors, à mon avis, peut-être en pliant ça. Pour ça, il faudra que je m'occupe de faire bouger cette statue. Du coup, on a dit
qu'on la mettait là, sur l'autre plateforme. Qu'on pliait ici, qu'on pliait là. Qu'on plie ici, que pêche tu gênes. Voilà. Et maintenant, comment je vais à mon origami? J'ai envie de dire, il suffit de descendre, certes. Mais malheureusement... Non, c'est ça que je veux. Je veux pas vraiment descendre. Ici, il n'y a rien pour me faire descendre. La seule chose qui me permet de descendre, c'est là. Sauf que pour ça, il y a les statues qui me servent à rien. Qui me gênent même. Soyons sérieux. Non, je vais quand même pas devoir les... Ah si, j'ai l'impression que je vais devoir les repousser. Les repousser sur les côtés. Les deux. Voilà. Je mets Page sur le côté. On va là. On récupère notre rigueur. Un crabe! On remonte. On remonte. Et voilà. On remonte. Qui va là? Une jeune femme et... Se pourrait-il? Stepping foot into the fishing village, the seafarer's wife came running. Oh. They hadn't seen each other in so long, but she'd never given up hope. Trop mignon. They invited me in, and we shared stories over dinner. She told of her worry. That first night her husband didn't come home. And I spoke of Oscar, and the day he, too, disappeared. We'd taken one of our many trips far away, but Oscar wanted to go even further this time. Crossing the river, he lost his footing and slipped. Before I knew what happened, he was gone. Ah oui, il est pas juste disparu, quoi. And that was the last time I saw my brother. I like to think he's waiting for me. On the other side, you know? Comment je le plie ce machin? After talking long into the night, the tide lowered and a path opened up across the sea to the city. Voilà. I said my farewells and made the short walk across to the harbor. According to this map, the university is just ahead. We finally made it. Et voilà ce qui clôt l'océan. Donc l'épisode est un peu long, c'était un peu compliqué. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve très vite pour faire la cité. Merci encore et bye bye!